Wesh, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Alors là, je suis littéralement déçu. Oh là là, vous pouvez pas savoir à quel point je suis énervé par ce qui vient de se passer. Le Mali était qualifié pour les huitièmes de finale. Il a fallu qu'à la dernière minute, une main vienne tout gâcher. Oh là là! Mais comment on peut être maudit comme ça? J'ai jamais vu ça. Dans toute, depuis que la compétition de la CAN elle existe, hein, le Mali a toujours été maudit. Vous vous rendez pas compte? Là, un penalty, tranquille, on le met, 1-0, il reste 10 minutes, voilà, on continue à jouer, et là, il y a un penalty qui vient nous punir. Hein? Non, mais c'est trop mauvais, mais où va-t-on? Quand est-ce que le Mali va pouvoir faire une Coupe d'Afrique remarquable? On a les joueurs pour faire, hein? On a les joueurs qui sont là, qui se créent des bonnes occasions. On a un bon attaquant, on a un bon milieu, on a une défense qui est bonne. Mais la malchance nous suit. Je comprends pas. Comment? Déjà, en toute sincérité, franchement, la main là qu'il a sifflée, bon, elle est discutable. Voilà, bon, le penalty aussi qu'on a eu, d'accord, peut-être que pour certains, il est discutable. Mais comment tu peux expliquer qu'il y a toujours des situations qui mettent le Mali en position défavorable? Soit c'est le temps, soit c'est le terrain, soit c'est je sais pas quoi, soit c'est... Non mais là, je suis trop déçu là. Franchement, on allait directement être qualifié pour les huitièmes de finale. Tu te rends compte? Là, deux victoires, 100%. Mais là, voilà, on se mange un but. Ça faisait au moins 7 matchs qu'on s'était pas mangé de but. Hein. Voilà, maintenant c'est ici que ça commence. La malchance va commencer. Voilà, c'est comme ça. Tout le temps, Coupe d'Afrique, on arrive en demi-finale, en finale. On se fait comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'ils nous font. Ils nous mettent des pénalties, des mains, des je sais pas quoi. Alors que toute l'équipe joue bien. Regarde les actions. Des actions bien construites. Tout est bien fait. Mais il y a toujours un truc qui vient tout gâcher. Qu'est-ce qu'il y a? Les coupes, elles ne veulent pas aller au Mali? Hein? Si tu viens au Mali, ma petite coupe, nous, on va bien te nettoyer, on va te choyer. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu ne veux pas venir au moment de la victoire? Qu'est-ce que tu as contre le Mali? T'as un problème? Hein? Victoire, t'as un problème contre le Mali? T'as vu, j'en ai le hoquet. Franchement, ça m'énerve. Hein. Franchement, là, il va falloir que les marabouts ils se mettent au travail. Là, parce que là, je comprends plus rien à ce qui se passe. Regarde-moi ça. Des face à face, n'importe quoi là. C'est quoi ça? Normalement, là, on gagne au moins 2, 3 ou 4-0. Enfin, eux aussi, ils ont mis des poteaux. En tout cas, bravo à la Gambie, hein, qui a fait un très bon match. Hein. Voilà, donc la Gambie, grosse force à vous. Vous êtes toujours en lice pour vous qualifier. J'espère que vous n'allez pas nous éliminer ou je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? Là, en tout cas, on attend Mauritanie-Tunisie. On va voir c'est quoi la suite de notre destin.